Imaginez un instant tenir un objet entre vos mains et accéder aux événements les plus secrets de l'histoire de l'humanité. Imaginez que les plus grands mystères, encore aujourd'hui irrésolus, puissent nous arriver à la pleine et éclatante lumière. Eh bien, voyez-vous, tout ceci existe, tout ceci est possible. Oui, les objets ont des choses à nous dire, à nous raconter. Oui, il existe une faculté que certains d'entre nous possèdent afin de révéler non pas l'avenir, mais le passé. Cette faculté porte pour nom la psychométrie. À Paris, au début du XXe siècle, à l'Institut Métapsychique International, de nombreux scientifiques étudiaient déjà ce phénomène. Il y eut entre autres Gustave Gellé, auteur d'ouvrages sur l'inconscient, le docteur Hostie, qui publia des études sur les phénomènes de prémonition, et Charles Richet, membre de l'Institut et professeur à l'université. Ce fut une période d'expérimentation où s'accumulaient à la fois de multiples preuves quant aux résultats psychométriques. Mais en même temps, ce fut aussi le début des questions sans réponse dont le scientifique Ernest Bozzano reprendra cette problématique comme titre de son ouvrage « Les énigmes de la psychométrie ». Parmi les noms des personnes dotées de cette faculté, nous pouvons citer Pascal Fortuny, qui se prêta à des expériences scientifiques à l'Institut Métapsychique International de Paris. Il y eut aussi Jeanne Laplace, qui fut un psychomètre étudié par les soins de Gabriel Delanne, et dont l'on retrouve les travaux dans l'ouvrage « Écoutons les morts ». Le psychomètre polonais, M. Ossoyewski, qui a donné à Varsovie, en présence des docteurs Richet et Gellé, des séances psychométriques tout à fait remarquables. Il a été aussi un des premiers à décrire les impressions que perçoit un psychomètre lorsqu'il rentre en contact avec un objet. Voici ce qu'il dit. Apparemment, je perds une certaine énergie, la température devient fébrile et les battements de mon cœur inégaux. Ce qui confirme cette supposition, c'est que dès que je cesse de raisonner, il y a comme des fluides électriques qui traversent pendant quelques instants mes extrémités. Au-delà de certaines études scientifiques entreprises, jamais dans l'histoire il n'y eut de loi définissant clairement les principes qui pouvaient régir le fonctionnement de la psychométrie. Depuis près de 40 ans, le cercle du druide Allan Kardec communique avec les esprits, grâce à des médiums et spirites avertis et aguerris aux pratiques d'un spiritisme majeur codifié il y a plus de 150 ans par Allan Kardec. Cette union sincère et intelligente entre l'invisible et le visible a permis au sein de notre association la réception d'un savoir considérable, réunissant de nombreux thèmes comme les sciences, la littérature, l'art, les facultés psy et tant d'autres sujets. Évidemment, la psychométrie ne fut pas en reste.
La psychométrie, nous dit l'esprit, additionne la sensation tactile à la charge d'information contenue dans les atomes de base d'un objet. Elle permet une relation télépathique entre l'esprit de l'homme et les molécules vivantes d'un matériau. L'acte psychométrique est par conséquent une formulation psychique du langage de la matière. Le sujet psychomètre possède une sensibilité tactile exacerbée. Enfin, pour comprendre comment se manifeste l'information dans la matière, les esprits nous parlent de l'électron, et voici ce qu'ils précisent. La physique des particules ira de plus en plus dans le sens de cette démonstration. Les temps sont proches où l'homme va scientifiquement démontrer la capacité mémorisante des électrons. Il ne sera plus alors possible d'affirmer que la matière est un acide hasardeux et la psychométrie entrera dans les sciences naturelles. Parmi tout un ensemble de révélations, les esprits ont toujours insisté sur la composition ternaire de l'homme, c'est-à-dire de sa composition faite de trois éléments qui sont l'esprit, comprenez notre pensée, le Père Esprit, notre corps énergétique qui persiste après notre mort, et notre corps charnel qui nous permet d'appréhender la vie matérielle. Cette reconnaissance ternaire de l'être humain est fondamentale, car l'Esprit et le Père Esprit sont les clés de voûte nous permettant de comprendre tous les phénomènes psy, des apparitions fantomatiques des vivants et des morts aux voyages astraux, de la clairvoyance à la médiumnité, des phénomènes magnétiques à l'hypnose, de la télépathie à la psychométrie. Ainsi, l'acte psychométrique ne peut être entièrement compris sans évoquer le fonctionnement du Père Esprit. Le Père Esprit, s'il est le substratum, le canevas, le double de notre corps, il n'en est pas pour autant qu'une simple photocopie. Le Père Esprit possède un ensemble de fonctions dont les esprits sont venus nous parler en séance spirit. Il est en effet extensible, compressible, pénétratif, et il possède aussi la fonction mémorisante. Le Père Esprit mémorise nos sensations, nos pensées, et peut parfois même imprimer des marques ou des cicatrices en rapport avec nos dernières vies. Le Père Esprit peut donc recevoir et mémoriser des informations. Pour établir le lien télépathique avec l'objet contenu entre ses mains, le psychomètre va faire vibrer son Père Esprit. Ce dernier va se concentrer sur les nerfs afin d'accentuer sa capacité tactile, c'est-à-dire qu'il va s'innerver. Il sera alors beaucoup plus réceptif aux sensations de la matière vibratoire. Ainsi, le psychomètre possède la faculté de recevoir des informations en touchant la matière, et ce sont les électrons qui permettent
ce processus mémorisant. Ce phénomène est possible grâce à une particularité du Père-Esprit, sa capacité à s'innerver, c'est-à-dire à rentrer en contact avec la matière et à enregistrer l'information. Régulièrement, dans notre association, nous travaillons cette faculté afin de toujours affiner les capacités psychométriques de celles et ceux qui ont été invités par les esprits à ce développement psychique. La psychométrie est une science, est un art. Elle exige la patience dans un travail régulier dont le développement peut prendre plusieurs années. Une fois devenu opérationnel, le psychomètre invite régulièrement à ses côtés quelques spirites apportant différents objets. Ce peut être des lunettes, des colliers, des pierres ou tout autre support. Avant de débuter la séance, les participants posent en toute discrétion les objets sur la table afin que le psychomètre ignore l'appartenance de chacun. Aucun des participants n'intervient pendant le travail. Ils sont attentifs et recueillis. Le film qui va suivre est un extrait de nos séances de travail. La pierre dont le psychomètre va se saisir provient d'Avignon, une des plus anciennes villes d'Europe, où coule près de ses remparts le Rhône. La pierre provient du Rocher des Dômes, petite colline d'Avignon, chargée d'histoire, aux vestiges datant du Néolithique. Ce lieu est situé à quelques pas du célèbre Palais des Papes. Rappelons que le psychomètre a choisi cette pierre parmi une douzaine d'objets présents devant lui. Il ne sait donc pas qui a apporté l'objet et d'où il provient. Tout ce qui va être dit le fut par les perceptions reçues au toucher du caillou. Le son et l'image de la séquence que vous allez voir ont été ajustés. La raison en est simple. Une séance dure en moyenne 30 à 40 minutes, nous l'avons adaptée pour plus de confort à son essentielle substance, dont voici le résultat. La première chose que je vois, c'est un arbre, un gros arbre, un chêne. Une rivière également. Je vois des gens. Il y a des enfants, des femmes, des hommes très pauvrement habillés, avec des loques. Ils se dirigent tous vers cet arbre. Je les vois lever les bras vers ses branches en priant. C'est un endroit où il y a énormément de personnes qui ont trouvé la voie du bonheur.
On peut dire que c'est un arbre faiseur de miracles. J'ai l'impression que c'est sur une petite colline. C'est étrange, parce que maintenant, je vois une sorte de petite chapelle, un lieu de culte, des moines. Ils sont là pour diriger les personnes qui se rendent sur ce lieu. Je vois également que chaque personne est obligée de payer pour pouvoir y aller. J'ai l'impression que c'est l'Église qui a mis la main sur ce faiseur d'argent pour eux. J'ai l'impression d'avancer dans le temps, plus près de nous. Je vois du monde, toujours. Ils vivent un peu différemment. Je vois des bâtiments autour, des statues, et une qui représente Marie. Les gens sont habillés plus comme au XIXe siècle. Des femmes avec de grandes robes, des hommes avec des costumes et chapeaux qu'ils enlèvent lorsqu'ils rentrent dans ce lieu. J'ai l'impression que tout est entouré maintenant par des murs et des remparts. On dirait qu'il y a un petit village, une petite ville qui s'est construite. C'est étrange. Je ne vois plus cet arbre. Il a été remplacé par cette statue et tous ces bâtiments. Je ne comprends pas trop bien. Je vois deux images en même temps. Je vois un prêtre et un druide qui se regardent. Le druide dit « Non, pas de cette façon. » Je crois comprendre. C'était un endroit où les druides étaient là avant et la religion a tout effacé. Depuis plus de 20 ans, la psychométrie a trouvé sa définition et son sens au sein du cercle Allan Kardec. C'est dans une pratique régulière et rigoureuse que nous abordons progressivement les possibles de cette science dite naturelle. Notre espoir réside dans le fait d'une ouverture progressive avec le monde de la science. Alors peut-être pourrons-nous voir travailler de concert des psychomètres aux côtés d'historiens, de géologues. Imaginez, oui, imaginez un instant résolu la grande énigme de Jeanne d'Arc, celle du Saint-Suaire, ou encore l'origine des pyramides. Oui, tant et tant de vérités qui attendent au fond d'un caillou, d'une branche, d'un bijou. Oui, qui attendent que nous levions le voile sur notre passé, sur la véritable histoire de l'humanité.